déjà avant toute chose accueillir nos invités d'un soir. Donc à ma droite, Freddy Fautrel, qui a un nom qui évidemment ne vous est probablement pas inconnu dans le milieu du foot, puisque Freddy a été arbitre international pendant de longues années et a raccroché le sifflet il y a quelques temps, mais c'est pas si lointain. Avec nous également ce soir, deux garçons que vous connaissez aussi, puisque on a eu le plaisir de les accueillir sur certaines de nos rencontres cette année. Donc ce Pierre Lixon qui se cache là-bas, et puis M. Arnaud Bisson qui était avec vous pas plus tard que samedi. Donc on vous souhaite la bienvenue. L'idée, elle n'en revient, le mérite n'en revient pas à moi, l'idée elle en revient à Freddy, qui pourra peut-être y revenir un peu plus longtemps tout à l'heure quand on sera à l'abri, hein, ça sera peut-être plus facile. L'idée, vous l'avez bien compris les garçons, c'est de favoriser en fait la rencontre des différents acteurs du foot, parce que la famille du foot c'est évidemment des joueurs, c'est des entraîneurs, c'est des dirigeants, c'est des bénévoles, c'est des partenaires qui font vivre la vie d'un club, mais ce sont évidemment aussi des arbitres, hein, qui, j'invente rien en vous disant qu'ils sont indispensables au déroulement du jeu. Et l'idée de Freddy, d'une manière très générale, qui était de favoriser justement ces temps d'échange et ces rencontres entre ces différents acteurs, m'a complètement séduit, et lorsqu'il m'a proposé cette idée, j'ai adhéré tout de suite. Et voilà, je suis sincèrement très heureux en tout cas de vous accueillir ce soir. C'est une première qui ne sera pas une dernière, parce que l'idée qu'elle se généralise évidemment à d'autres clubs. En tout cas, voilà, je suis encore une fois très content de vous accueillir, même si la météo n'est pas forcément des nôtres ce soir, mais on va s'en accommoder. Freddy, je sais pas ce que vous dire. Merci Président, merci à vous de nous accueillir. Merci Arnaud et Pierre d'avoir répondu présent pour cette première. C'est une première en Normandie. Donc le premier club de National 3 à accueillir cet échange. L'idée, comme l'a rappelé votre président, c'est de rapprocher les familles. Je sais que c'est parfois compliqué lorsqu'on est dans un contexte de match, un contexte de compétition, avec parfois un sentiment d'injustice, la pression du résultat, la frustration qui peut se dégager. Je suis persuadé que lorsqu'on se rencontre en dehors, quand on se connaît en dehors, ça se passera toujours mieux sur le terrain. Alors un échange en deux temps, vous allez voir que nos arbitres sont également des sportifs. Peut-être que vous allez voir pourquoi ils ont pris le sifflet, ils ont pas resté footballeurs. J'espère qu'ils vont me faire mentir. Et un deuxième temps, on partagera un petit peu quelques vidéos sur les lois du jeu pour faire comprendre la difficulté et la complexité d'arbitrage déjà à haut niveau, puisque là, c'est la 3, c'est déjà à haut niveau. Je ne vais pas en faire plus parce que voilà, la météo n'est pas de la partie, mais on se retrouvera tout à l'heure avec grand plaisir. Et encore merci de nous accueillir.